appelle à qui la faut. Viens dans mon coin, ça bibi, quelques grammes de puff. J'suis tellement loin, jamais ralenti par les meufs. J'suis validé par les refs. Hey yo les mecs, c'est Joamod, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est nickel. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo setup. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon bureau, ce que j'utilise, mon PC, etc. Comme il y en a beaucoup, ils ont demandé. Donc voilà, chose faite, on va commencer. Donc on va commencer à se diriger vers la droite. Donc je vais vous présenter un Pogona V17. Donc voilà, mon petit Pogo qui est fatigué. Donc voilà, on va le laisser. Donc voilà, c'est un petit Tera. 1 mètre. 80, 60 de hauteur. 60 de largeur, 80 de hauteur. Excusez-moi, avec des petites LED. Donc voilà, acheter d'occasion, bien sûr. Hein. Puis on va ici finir donc avec des petits goodies, comme j'appelle. Donc des canettes de boissons. Quelques trucs comme ça. Donc des chaussures quand j'étais petit, des trucs quand j'étais petit. Voilà quoi, des guises. Donc voilà. Donc après, voilà, on a des tableaux qui sont intéressants. Je vais les accrocher après. Donc une télé, donc en face de mon lit, mon sac d'école. Donc ici on va se retrouver direct à la gauche où il y a, comment ça s'appelle, des trucs, des étagères quoi, je trouvais plus le nom. Donc là le vide, là c'est les trucs de mon Pogona, donc une cachette, des aliments, boîte de PC. Là je sais plus trop ce qu'il y a dedans, il y en a des petites bricoles en bas. Donc voilà, donc on va passer direct à ma chaise. Donc on va passer au bureau et à ma chaise. Donc ma chaise, c'est une MyTac, donc de chez Amazon, excusez-moi, j'ai du mal à parler. Donc de chez Amazon, donc très bonne qualité. Donc voilà quoi, je vous la conseille, elle sera bien sûr en description. Donc voilà, donc là vous inquiétez pas, c'est mon livre et ma coque, donc c'est pour le livre permis. Donc là on se retrouve avec une Xbox 360 qui ne fonctionne plus. Donc tant pis, je la laisse en déco. On a une Xbox première génération jailbreakée, donc qui fonctionne. Donc un DVD player, je sais plus trop quoi. Donc acheté avec la Xbox 360 d'occasion. Donc une PS3 jailbreak, donc c'est ma FAT 80 Go, que je modifie, j'ai changé la peinture et j'ai transformé moi-même avec un logiciel exprès et le 3 flasher. Ma PS4 que je joue très rarement dessus, parce que moi je suis plus sur mon PC que sur ma PS4. Donc voilà, donc c'est une 1 Tera édition. C'était une édition Star Wars. Donc voilà. Donc le petit pop Call of Duty WW2 quand vous l'achetez chez Micromania. Et ils me l'ont fait offert quand je l'avais acheté. Donc une semaine après, je crois. Donc là, on se retrouve avec un écran de la marque Solara. Donc c'est un 22 pouces. Excusez-moi. En HDMI. Donc. Vraiment nickel, très bonne résolution, je la connais pas par la résolution. Mais nickel pour jouer aux jeux genre Farming, Fortnite, GTA, etc. Donc très bonne qualité, je veux dire, excusez-moi. Et pareil en qualité visuelle et audio, nickel, je trouve, et j'aime bien. Donc on va passer sur mon clavier, donc c'est un clavier que j'avais reçu il y a 2 ans à Noël. Donc de la marque Bakatash. Donc c'est un rétroéclairé, hein, il n'y a que cette couleur là. Un arc-en-ciel, mais il est nickel, c'est pas un mécanique, mais il tape nickel, il va nickel quoi, il fait pas beaucoup de bruit, ça j'aime bien. Donc on va passer direct à la souris, donc de la marque, c'était un lot, donc c'est la souris Bakatash, donc clic gauche, clic droit et bouton molette quoi. On va passer au tapis de souris, donc le tapis de souris, excusez-moi, c'est un, je sais pas si vous allez voir, Maxter, donc bête tapis de souris quoi, vite fait quoi, je choisis ça comme ça, bref. On va passer au micro, donc ce qui me sert à vous à que vous m'entendiez sur mes vidéos. Donc ça c'est un micro Neighbor 700, BM700, donc très bon micro, bonne qualité. Vraiment nickel pour les débutants, donc il est au prix de 37€ sur Amazon actuellement, je crois. De toute façon, je vous le mettrai en description avec le clavier. L'écran, malheureusement, il est plus disponible. Donc voilà. Donc il est livré avec filtre anti-pop. Donc nickel. Le bras Neighbor. Donc nickel aussi. Avec la fixation et le câble. Mon casque, je vous l'avais déballé il y a 1 an, donc c'est un. Condition H, donc rétroéclairé bleu,
Donc très bon pour, très bonne qualité pour le son, donc avec anti-bruit extérieur, donc on vous attendait pas ce que les gens disent. Donc voilà. Donc relié en double jack et USB pour éclairer. Donc on va passer à la manette de 360, donc donnée reçue par un pote. Donc dédicace à toi Pierre. Donc voilà. Donc c'est manette assez stylée, rétroéclairée. Hein. Donc voilà, on peut. Mince. Voilà, on peut éteindre, on peut l'allumer. Nickel pour les jeux, genre farming et Fortnite. Donc on va passer à l'alimentation fantôme. Donc c'est de Apro, donc très bonne alimentation, on peut l'allumer et l'éteindre, bref. Sortie XLR mâle, jack. Donc relié avec une petite carte son pour avoir plus de son et une carte son sans la carte de carte mère. Donc on a mon boîtier Avermedia, donc LGP Lite, c'est 270 je crois si je dis pas de conneries. De toute façon il sera bien sûr en description aussi. Hein. Très petit, très compact, pour rentrer dans un petit sac si vous partez en voyage. Bref. Donc aussi je vous avais oublié de vous dire c'est les LED. Donc c'est des LED achetés chez Action. Donc très bonne qualité aussi. Hein. Donc de chez Daymond. Donc voilà. Donc là on va passer direct à la bête de compète. Donc voilà, donc c'est parti. Donc on va ouvrir la fiche. Attendez. Paramètres. Alors c'est parti. Donc on a déjà un Intel Core i5 6600K. Donc 6600K. 35 GHz. Donc c'est nickel. Bah 350. On a deux barres G-Skill, donc c'est les Air Show, donc de 2x8 Go, donc très bonne RAM, j'en avais dans mon ancien PC, très très bonne RAM. Donc après on passe direct à la carte graphique, donc c'est une GeForce GTX 1070, donc de chez Penny, si vous voulez, j'ai jamais fait gaffe, et il y a marqué ici, Penny Technology Europe. Excusez-moi. On passe direct à l'alimentation, c'est une alimentation Corsair CX600M, donc très bonne qualité, donc c'est semi-modulaire, donc câble normal alimentation et semi-modulaire, bouton on-off à l'arrière comme les autres, donc mid LED aussi, donc des LED de action, donc c'était 6€ les LED en USB, donc voilà, très bonne LED aussi. Ils vont nickel. Pour suivre mon setup, je peux changer de couleur. Donc à l'avant. Donc le botch, la marque du botch, c'est Barbonne. Donc voilà, Barbonne. Donc ce que j'aime bien avec ce botch, c'est que désolé, on peut le redémarrer comme ça, ou on peut l'allumer ici direct. Et on peut le modifier, par exemple, regardez. Là, vous allez attendre pas mes ventilateurs. Voilà, donc on peut vraiment modifier. Voilà le rouge, regardez, je vais faire passer, c'est un rouge, mais je vais faire passer. Merci. Voilà, donc c'est des petites télécommandes. Une télécommande comme ça pour les LED du PC, télécommande comme ça pour les LED du bureau. Donc vous avez encore un écran là-bas, mais je vais le jeter à la poubelle. Et vous avez mon trépied d'un laser que j'ai modifié juste la tête. Je sais pas si vous voulez voir. Mais j'ai fait la tête pour mettre un petit trépied. Donc voilà. Donc vous avez arrangé comme ça. Donc ah oui, j'ai oublié de vous préciser. Alors j'ai 3 disques durs dans le PC. Donc je vous les fais entrer. J'ai un disque dur de 120 Go, donc un SSD. De la marque. J'ai pas de conneries. Et bien sûr le boîtier, je vais changer là, parce que je suis pas trop fan du boîtier. Donc de Kingston, c'est mon gigot, très bon boîtier, donc ça aide à allumer rapidement le PC. On a un disque dur de 180 TO, nickel. Après j'ai un disque dur juste au-dessus, donc c'est de 1 Tera,
Mais malheureusement, il y a... Oh, bah, j'ai oublié de le brancher. Donc, faut le brancher juste un SATA. C'est bon comme j'ai branché mon lecteur DVD. Donc, le lecteur DVD, c'est un peu. N'importe quelle marque, je m'en fous. Donc, voilà, si je veux pour lancer Black Ops 3, mais bon, il voit pas. Donc, voilà. Donc, on va passer au logiciel que j'utilise. Donc, j'ai trois logiciels. J'ai After Effects. Donc, c'est du 2018 craqué. PS Photoshop, donc 2018 craqué. J'utilise Sony Vegas Pro 15, donc craqué aussi. Action qui est craqué aussi. Et OBS pour les lives. Donc ça, c'est mon pote qui va m'aider un peu parce que voilà. Bref. Et après, j'utilise Nvidia GeForce Now. Donc c'est un jeu. Si par exemple vous avez pas les jeux, genre les GTA, excusez-moi d'avoir la coupé. Genre style GTA, bah hop, vous allez dessus, vous pouvez trouver GTA. Et vous pouvez jouer tranquillement, mais il faut vraiment avoir la bonne connexion. Voilà. Donc vous pouvez me rejoindre sur Discord si ça vous intéresse. Donc je vais vous mettre là. Mon Discord, il est là. Mais ça, je le mettrai dans la description. Vous pouvez le regarder. Je mettrai mon Steam. Qui est juste là. Donc voilà, je mettrai mon Steam. Et voilà. Comme ça, vous pouvez m'ajouter tous mes jeux farming, Call of Duty Black Ops 2, Car Simulator, Euro Truck, 5M pour GTA RP, Guys Mode, Fortnite, Car Simulator, c'est tout. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu. Et moi je vous dis ciao, peace.